Alors bonsoir, après ce générique un peu tonitruant du festival qui vous dit un peu l'ambiance du festival, on est évidemment ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode de la session Fiction Science. C'est un cycle de rencontres que nous organisons avec l'IRCAM et la BPI autour justement des croisements entre l'art, la culture et la science. Et puis, pour cette séance, eh bien, on est évidemment heureux de la faire aussi dans le cadre du Festival Hors Piste. Il nous importe, au fond, que nos programmations, nos cycles de rencontres s'infiltrent, en quelque sorte, ou croisent des programmations autres à l'intérieur du Centre Pompidou. Et en ce moment, vous avez, dans le Forum -1, ce Festival Hors Piste, qui est le premier, pour nous, le premier événement, je dirais, lié au sport dans une année qui va évidemment être forcément très sportive. Et donc, on a eu à cœur d'interroger la question des règles de l'art à l'intérieur de ce festival hors piste consacré donc aux règles du sport. Et puis donc, à l'occasion de ce premier moment sportif, ce premier mouvement vers le sport et vers les JO, eh bien voilà, on avait à cœur de faire une séance de Fiction Science autour de la question de l'optimisation du mouvement. On va laisser évidemment Céline Nozen, que je remercie, de présenter évidemment la problématique et les invités. Et puis on sait qu'à l'issue de la séance, on pourra retrouver Valentine Goby, que je salue, que j'ai plaisir aussi à retrouver ici, pour une séance de signature pour Murène, son roman, et Lille Haute, voilà, deux romans de Valentine Goby, et qu'on pourra ensuite aller signer à la librairie. Donc place à l'optimisation du mouvement. Merci beaucoup, bonne soirée. Bien, merci pour cette introduction préalable. Bonsoir à tous et merci d'avoir fait l'effort de vous déplacer jusqu'ici ce soir pour nous retrouver pour cette 5e édition du cycle Fiction Science, optimiser le mouvement. Alors ce soir, nous allons examiner cette formule et les idées qui sont charriées derrière depuis l'amélioration du côté performatif de soi, du travail du soin jusqu'aux dérives potentielles qu'il y a derrière une quête de l'optimum comme principe de vie. Alors pour ça, nous allons nous immerger au cœur de l'expérience, ensemble avec des démonstrations scientifiques, mais aussi des lectures et des idées qui, je l'espère, vous amèneront et nous amèneront tous à réfléchir sur ce que signifie vraiment l'optimisation des corps à travers son mouvement et donc la notion de performance, car elle charrie, comme je l'ai dit, une dimension un peu ambivalente. La performance, elle peut être salutaire ou délétère en fonction de l'objectif finalement qu'on associe à cette performance. Augmenter sa performance pour s'améliorer, pour prendre soin, ou bien pour soigner, réparer nos corps, ou bien dans un prolongement s'amplifier ou s'augmenter avec toutes les notions de transhumanisme qu'il y a derrière. Et en cette année qui démarre avec pour horizon les Jeux Olympiques, où le sport olympique et paralympique sublime la notion de performance comme idéal, et plus globalement dans un contexte dont on est vraiment dans une ère qui est focalisée sur le physique, sur le bien-être et sur le paraître, il nous faut nous interroger vraiment sur ce qu'on attend de cette performance. L'optimisation des mouvements peut être bénéfique et nécessaire dans un cadre thérapeutique, on va le voir, mais elle peut aussi nous amener à la désillusion, dans une amélioration un peu viciée, toxique. Alors comment se situer et que peut-on espérer des sciences, des technologies et de la médecine quand elles s'intriquent pour optimiser notre mouvement, et comment se rééquilibrer en fonction de nos désirs, de nos potentiels et de la confiance en soi? Alors pour éclairer ces questions, 3 femmes sont réunies ici pour vous ce soir pour nous guider. 4. Oui. Moi, je suis une passeuse, donc. Pour nous parler du mouvement qu'on réinvente, qu'on restaure et qu'on augmente. Véronique Billat, bonsoir. Bonjour. Vous avez le micro juste ici. Oui, bonsoir. Vous êtes physiologiste du sport et athlète. On reste toujours un peu athlète quand même. Ouais. Coureuse, fondeuse, vous êtes aussi scientifique, professeur à l'université d'Evry, à l'INSERM, spécialiste de l'entraînement des sportifs à haut niveau. Vous développez des programmes. Tous les niveaux. Bon, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que chacun puisse accomplir ses rêves, aller à l'Everest, ce qui n'est pas le meilleur des rêves, hein. Mais aussi bien faire le Saint-Jacques-de-Compostelle ou un marathon, ou tout ce dont on a envie, et ne pas être limité par son physique. Et par l'âge d'ailleurs. Oui, j'en parlais tout à l'heure. Un centenaire, oui. Mm. Ouais, on peut encore s'améliorer à 100 ans. Des personnes, oui, un peu... qui brave l'âge et les limites du corps, on en parlera tout à l'heure. Vous avez fondé en 2014 Billat Training, qui est une société qui propose justement des programmes d'entraînement pour tous. Donc. Bah, disons, j'ai été obligée parce que voulant travailler sur ces aspects d'entraînement, j'avais pas de financement, bien qu'étant professeur depuis très très longtemps d'université. On voulait me faire faire de la génétique de la performance parce que je suis affiliée à l'université de Paris-Saclay-Évry, affiliée au Génopole, à Évry, et j'ai pas voulu. Donc, on m'a fermé mon unité INSERM. Le président, maintenant, tout pouvoir, hein, c'est la loi Pécresse. J'en profite un peu, hein, je fais un peu de politique. Et non, non, mais voilà, il faut... je veux dire, j'ai résisté, c'était très dur. J'ai même été suspendue 1 an, pour dire. Hein. Voilà, j'ai gagné en Conseil d'État. J'ai maintenu ma société qui permet de financer, en fait, les thèses, les masters, parce que toute la recherche, maintenant, va... les financements à la recherche privée, donc je me suis adaptée. La recherche publique est assez fléchée, vous menez une recherche un peu plus libre, on aura l'occasion d'en reparler tout de suite. Je vais vous lancer juste après. Également avec nous ce soir, Valentine Goby, bonsoir, vous êtes romancière et vous avez écrit, il me semble, 14 romans pour lesquels vous avez reçu un grand nombre de prix. Et récemment, autour des thèmes du corps, vous avez écrit Murène, qui a été publié chez Actes Sud en 2019. Et dont on va pouvoir écouter un extrait dans quelques instants, et qui a été récompensé par le prix Handi Livres, c'est ça? Oui, il y a eu plusieurs prix oui, enfin, vous avez autour du sport, voilà, et du handisport, enfin, voilà. Et donc, on en parlera, mais c'est vraiment là la notion de la performance et du handicap. On suit les aventures d'un jeune homme, François, 22 ans, qui est dans un contexte très particulier, qui va avoir beaucoup de défis à accomplir. Mais on va en reparler tout de suite après. Et enfin, avec nous, Iseline Peyre, merci beaucoup d'être là. Vous êtes doctorante à Sorbonne Université, comme on dit maintenant. Votre thèse s'intitule « Sonification du mouvement pour la rééducation après une lésion cérébrale acquise, conception » et évaluation de dispositifs. C'est une thèse que vous réalisez au sein de l'équipe Interaction, Son, Musique, Mouvement du laboratoire STMS et au laboratoire d'imagerie biomédicale et en collaboration avec un service de médecine physique et réadaptative de la Pitié Salpêtrière. Est-ce que c'est tout bon? Bonsoir, oui, Céline, c'est tout à fait ça. La seule petite correction, c'est que la thèse a été soutenue il y a 1 an. Oui. Voilà, donc et félicitations. Le doctorat est fini. Merci. Mais sinon, tout est correct. Effectivement, nous avons travaillé sur des dispositifs de sonification du mouvement et vous allez pouvoir découvrir ce type de dispositif ce soir. Oui, et leurs applications. Et vous avez déjà produit des résultats très encourageants pour une perspective thérapeutique. Alors, pour amorcer cette conversation, j'aimerais déjà désopacifier les termes qu'on va manipuler. La notion de performance et d'optimisation. J'ai été regardée dans le dictionnaire, dans le Larousse. La définition, c'est rendre optimal, atteindre un optimum de production, obtenir le meilleur selon un ensemble de critères d'une chose ou d'une situation. Alors, Véronique Billat, comment vous recevez ce premier niveau de définition pour vous qui êtes, donc, je l'ai dit, ex-athlète, sportive, chercheuse, et qui, dans vos recherches, vous mesurez le mouvement, vous optimisez le corps avec tout un tas d'arsenal, dispositifs, capteurs pour mesurer le VO2 max. La consommation d'oxygène, voilà. Même l'activité cérébrale, maintenant, ce que je fais maintenant. Pour moi, performance, ça vient du mot du vieux français performer, accomplir, qui est parti en Angleterre pour faire, qui était au départ s'accomplir, cheminer. Et on a pris une exception en français qui est uniquement la haute performance, l'optimisation. Alors que tout performe en anglais, ils l'ont repris aussi, ils ont gardé le double sens de l'accomplissement. Et quand moi j'ai quelqu'un que j'audite, que je scanne dans tous les sens, j'essaye de mettre en relation ce qu'il ressent et ce qui se passe dans son corps. Mon but, moi, c'est que la personne se connaisse et qu'elle n'ait plus besoin d'aucun capteur. Je me disrupte, en fait, je voudrais ne plus être utile. Et que les gens puissent s'entraîner, j'ai développé une méthode d'entraînement à la sensation, voilà. C'est ça, c'est une méthode analytique, mais qui intègre la sensation du corps, et ça passe par un apprentissage assez méthodique. La connaissance de soi, c'est... Bon, les gens, ils font. Hein, j'ai des séances d'entraînement. J'étais entraîneur, donc mon travail, c'est de mettre en relation la science et le savoir-faire. Parce que, voilà, il y a... Et intermédié par la sensation de la personne. Quand je lui dis, tu fais un entraînement, un high intensity interval training, tu fais facile, moyen, facile, moyen, facile, il y a un code couleur, vert, rouge, vert, rouge. Et la personne associe... les sensations, et on vérifie que ces sensations sont valides. Par exemple, les femmes comme vous, mesdames, qui avez dû crever le plafond de verre pour faire ce que vous avez fait, eh bien, elles sont très dures avec elles-mêmes. Quand on demande à une femme de faire quelque chose de facile, de votre niveau, eh bien, elle est déjà dans le moyen. Physiologiquement, elle est déjà dans une zone où elle n'utilise plus que les sucres. Alors, il n'y a pas beaucoup d'autonomie possible. Voilà. Et c'est intéressant de réconcilier aussi les gens avec le côté paisible. Tu as le droit de faire des trucs faciles, quoi. Oui. Moi, je ne suis pas psychologue, hein, mais... Non, mais il faut indexer les objectifs et les désirs. Ouais, c'est ça. Et ensuite, ajuster cette performance... et s'écouter, surtout. Ouais, ça. Mm. Valentine Goby, vous, dans vos romans, la notion de performance, elle revêt une autre dimension. Quand il est question du corps, quand il est accidenté, amputé, quand il doit recouvrer du mouvement, la performance, elle est vis-à-vis de soi-même, elle est mentale, elle est cognitive, elle est sensorielle. Comment vous avez travaillé cette notion de performance, que ce soit dans Murène ou même Lille Haute, dont on va parler plus tard? La notion de critère que vous évoquiez tout à l'heure, elle est essentielle. Et je vais rebondir sur ce que disait ma voisine, mais oui, ironique. Je pense que to perform, en effet, c'est la notion d'accomplissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire adhérer le mouvement au désir de mouvement. Quel est le désir, en fait, profond du corps ou de la personne? Et quels sont les moyens qui sont à sa disposition ou qu'on peut mettre à sa disposition pour l'aider à l'accomplir? Alors, il y a des choses qui sont impossibles. Il y a des performances impossibles. Il y a des limites. Et la notion d'exploit est venue coloniser la notion de performance d'une manière... hélas, moi, je trouve navrante. Dans le cadre, par exemple, de ce roman, donc, le personnage François est un jeune homme de 22 ans en pleine possession de ses moyens. D'ailleurs, il grimpe à des échafaudages. C'est son métier. Son corps répond à tous ses désirs de mouvement. Il y a une adéquation complète entre son désir et l'accomplissement. Et puis, tout d'un coup, il a un accident très grave. Il est brûlé très, très gravement. Il est amputé des deux bras très haut. Et donc, évidemment, son corps ne répond plus à ses désirs d'une manière extrêmement violente parce que c'est une amputation haute qui n'est quasiment pas... il n'est pas possible de la prothétiser. Ça veut dire qu'on est dans une impossibilité complète de retrouver le mouvement de départ. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, l'augmentation? On l'évoquera peut-être tout à l'heure, mais c'est peut-être un mot qui déjà a son importance. Pour certains, c'est simplement une réparation, c'est-à-dire que l'appareillage qu'on va mettre ou la technologie qu'on va utiliser ne permet pas d'augmenter ce que le corps, dans sa position initiale, était capable d'accomplir, mais peut-être même à un niveau très en dessous, en tout cas, de cheminer vers cette correspondance entre le désir de mouvement et le mouvement réel, même si on est très en deçà, en fait, de ce que désire la personne. Alors, pour un personnage comme le mien, tout est impossible. Au départ, tout est impossible. Manger, écrire, la performance, c'est ne serait-ce qu'être capable de mettre ses chaussettes tout seul. On est très loin des exploits paralympiques que j'évoque par ailleurs dans le roman, puisqu'il y a un autre personnage qui, lui, incarne l'idée de performance. Le mien cherche juste, en fait, à accomplir des mouvements qui lui permettent de trouver une place telle qu'il conçoit son corps dans la société. Il a un autre camarade qui, lui, est en fauteuil roulant et dont le but est d'obtenir des médailles et qui ne trouve un sens, en fait, à la performance, c'est-à-dire au mouvement qu'il accomplit et qui l'oblige, en effet, à des inventions perpétuelles que dans la mesure où il vainc, où il gagne. Et ça, je pense que c'est des façons très, très différentes d'envisager la notion de performance. Il ne faut jamais exclure l'individu et son histoire. Les performances sportives sont des performances objectives, vues à distance, avec notation, hiérarchie et critères définis depuis l'extérieur. C'est évidemment pas du tout ce que fait Véronique, c'est pas du tout non plus ce qu'on va voir tout à l'heure à travers les expériences. Et je crois que cette année olympique, hélas... ou peut-être, heureusement, je ne sais pas, permet de réouvrir le débat sur ce que ça veut dire, en fait, que cette notion-là. Comme ce soir. Ouais. Iseline, sur cette notion de performance, vous qui devez accompagner des personnes, des patients qui ont subi une lésion, il s'agit d'une augmentation. C'est pas une augmentation, on restaure. Mais là, on retrouve un geste qu'on a connu, on est capable de le reproduire. Là où le personnage de Valentine doit réinventer. On n'est pas sur la même notion. Oui, tout à fait. On n'est pas sur les mêmes types de entre guillemets, situation de handicap. Mais je rebondis sur ce que disait Valentine. En fait, le point d'accroche, c'est que c'est des individus qui, déjà, ont connu une situation traumatisante. Donc, ce désir du mouvement a été complètement annihilé. Donc, ça sera la première étape, c'est de réenclencher, justement, ce désir du mouvement avec un corps qui va être traumatisé et douloureux. Et donc, pour lequel on n'a plus ce plaisir potentiel. C'est le premier élément à réactiver. Et donc, on peut trouver des moyens pour éventuellement suppléer justement à tous les troubles qui viennent se greffer à ce traumatisme primaire, on va dire. Merci pour vos réactions. Ouais, je peux rajouter une situation que j'ai vécue. J'ai entraîné quelqu'un qui a eu un accident d'avion. Il pilotait un avion. Son père est mort. Il a fait une erreur d'atterrissage. C'était un chef d'entreprise et il voulait se suicider et il a décidé, il ne faisait pas de sport avant, hein, de faire le marathon de Paris. Et il est venu me voir, il avait acheté des prothèses, il était amputé des jambes. Et il a réussi à faire le marathon de Paris. Pour ceux qui courent, ils apprécieront la performance, pour le coup. 3h50, avec 2 prothèses de jambes. Voilà, donc il courait pas avant. Donc là, c'est un petit peu une situation étrange où finalement le sport, le désir de performance a sauvé la personne qui au départ ne faisait pas de sport. Voilà, et, parce que son père, enfin, c'était terrible, quoi. Merci pour avoir partagé cette expérience. Ça me fait peut-être un peu penser à François, ce jeune homme de 22 ans qui finalement dans le milieu de la natation peut-être va retrouver des manières de retrouver. En fait, c'est quelqu'un qui ne pense pas du tout justement en termes d'exploit. Au départ, il se réveille dans un corps qui est étranger à lui-même et tout lui résiste. Alors il y a aussi la problématique des membres fantômes, c'est-à-dire que quelque part, son corps accomplit des mouvements invisibles qui sont très douloureux parce qu'ils échouent sans cesse. Il y a toute la problématique de l'appareillage et je voudrais quand même resituer la période du roman parce que ça permettra aussi de comprendre comment j'ai travaillé. On est dans les années 50. Dans les années 50, l'appareillage n'est absolument pas relié nerveusement, voilà, au cerveau. On est dans de la mécanique pure. C'est l'essor de la traumatologie aussi. On sort de la guerre. Oui, on sort de la guerre. Et puis, les prothèses, déjà les prothèses de bras sont très complexes. On a des prothèses pour travailler. Éventuellement, on sait que des ouvriers agricoles, des ouvriers en usine peuvent utiliser des prothèses outils. Et puis, ça peut restaurer une silhouette. Mais c'est très difficile d'accomplir un mouvement. On a une période où la kinésithérapie n'existe pas. Le diplôme, c'est 56. Il n'y a pas d'ergothérapie. Il n'y a pas de service pour les grands brûlés. Donc, il faut considérer qu'on est dans l'enfance, hein, vraiment, de la rééducation fonctionnelle et que, de toute façon, de quoi dispose essentiellement cet homme? De sa ruse et de son imagination. Et c'est avec ça, en fait, qu'il va peu à peu retrouver le mouvement. Mais au départ, il se réveille dans une chambre d'hôpital et, en somme, on lui a sauvé la vie, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort, mais on ne peut rien pour lui. On ne peut rien pour lui. Et donc, il va sortir complètement orphelin, sans accompagnement, dans un monde qui n'est pas préparé à l'accueillir. Il va essayer un tas de systèmes absolument pas adaptés à son corps. Et finalement, c'est son imagination qui va le sauver. La piscine va jouer un rôle très important parce que il doit réinventer sa vie comme une chorégraphie. Hein. Comme un danseur, cette photo-là. Oui, c'est ça, comme un danseur, parce que finalement... Le mouvement décomposé, en fait, il le considère comme ça. Il doit d'abord penser le mouvement, en fait, avant de l'accomplir. Il n'y a plus d'automatisation et il doit penser des mouvements alternatifs. Avec ses pieds, avec sa bouche, faire jouer à son épaule ou à son oreille le rôle en fait que les mains ont dans la vraie vie. Arrivant dans une piscine, il est soudain délivré en fait de l'obligation d'une obligation qui est très très complexe en fait à restituer, c'est celle du toucher, puisque c'est l'eau en fait qui va l'envelopper. Et il n'y a pas de geste sans toucher. Je veux dire, même l'air est une matière dans laquelle on sculpte en fait pour on la traverse pour aller attraper quelque chose. Et là, en fait, tout d'un coup, c'est le monde qui se déforme et qui l'accepte. Voilà. Donc, il y a la pratique du sport en soi. Oui, il va apprendre à nager. Puis dans les années 50, Madame Billat aurait eu du mal, hein, parce que non seulement les les gens de son âge ne sont pas forcément de grands sportifs, hein, mais on ne sait pas nager. Donc il y a très peu de piscines municipales. C'est pas qu'il réapprend à nager, c'est qu'il apprend à nager avec un corps qui n'est pas fait pour ça. D'où le titre du livre, Murène. Mais il rencontre, et ça je crois aussi que c'est très important, quand on évoque le mouvement et les différentes façons de se mouvoir, il rencontre les autres. Et les autres, c'est qui? C'est des gens qui ont la poliomyélite, c'est des gens qui ont des bras en moins, c'est des gens qui sont aveugles, c'est des gens qui ont tous en fait un corps différent, qui relativisent sa propre différence et qui ont développé des stratégies pour exister dans ce milieu qu'est l'eau, chacun à leur manière. Je trouve difficile d'isoler l'individu constamment. En fait, bien sûr, sa spécificité permet de l'accompagner dans la rééducation, mais il y a aussi, je crois, l'idée qu'on peut partager en fait cette expérience de la recréation du mouvement avec les autres. Oui, dans un continuum, même si c'est pas toujours évident, vous n'êtes pas venu les mains vides, Valentine. Vous allez pouvoir nous faire partager un extrait. Illustrer ce que je dis. Voilà, et après on fera un petit commentaire sur lecture. Là, on est dans le temps de l'échec, hein, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est un homme qui commence par échouer. On est nombreux dans ce cas-là. François scrute le morceau de squelette cuir-acier suspendu au dossier de la chaise. Deux épaulières en cuir foncé, reliées par des harnais croisés dans le dos. Il n'a pas idée de ce qu'il attend. Il repart avec ce corps inconnu, sans mode d'emploi autre que laisser effectuer quai de Bercy. On le laisse partir, son armure sur le dos, avec ce simple avertissement. Ce ne sera pas facile. Il croit que vouloir suffit. D'abord, il fractionne mentalement chaque mouvement en images précises, reconstitue le film rigoureux que doit produire son corps pour animer le bras. Et c'est si clair sous son front, le plan par plan de la trajectoire du buste en rotation sur les hanches, du bras articulé lancé haut, du coude plié dans l'élan, arrêté pile à angle droit. Si laborieuse son exécution. Le coude plie, mais le mécanisme d'ouverture de l'angle résiste à ses efforts. Le mécanisme se débloque, mais il ne parvient pas à tracter le câble et à ouvrir la pince. Il s'y reprend jusqu'à la tétanie. Il maudit ce corps impuissant. « C'est comme moi, la danse, » dit Sylvia doucement. « Le saut de biche, je le vois exactement. Hein. Je vois la course, l'impulsion qui me soulève, les jambes déployées haut, presque à la perpendiculaire du sol. » Sylvia ferme les yeux, écarte les bras, redresse le dos dans un élan imaginaire. « En vrai, mon saut de biche, c'est un lancer de patates. » Il veut essayer de manger. On monte une assiette à sa chambre. Sylvia économise les forces de François, bloque elle-même son coude à angle droit, glisse dans sa pince la cuillère aux manches tordues. François s'assoit. La table est trop haute, le coude est glissé dessous, impossible d'atteindre l'assiette. Il se lève, appuie sa prothèse à la table, plie le coude entièrement, puis corrige l'angle pour que l'avant-bras passe par-dessus la table. Seulement, maintenant, la cuillère surplombe l'assiette de 10 cm. Il rouvre le coude dans la position initiale, fléchit les genoux, ajustant sa hauteur à la table puisque l'inverse n'est pas possible. La cuillère touche l'assiette. Maintenant, remplir la cuillère. En l'absence de moignon, pas d'abduction possible. Il ne peut pas écarter le bras de son flanc et le ramener vers lui, ce discret mouvement de balai de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche, par lequel on drague la nourriture. Il doit faire pivoter le buste entier. Il essaie, une rotation qui éloigne seulement l'assiette, la pousse vers le vide. « Sylvia !» il hurle. Sylvia bloque la table contre le mur, François recommence, cette fois l'assiette tape contre le mur, la cuillère racle le fond de l'assiette, se remplit, François fixe le morceau de viande dans la cuillère qu'il ne peut ramener à sa bouche pour cause de coude bloqué à angle droit, la viande tremble dans la cuillère, la viande tombe, la cuillère tombe, il regarde le morceau brun éclaté au sol, le plancher constellé de gouttes grasses. Et il shoote dans les pieds de la table, dans les morceaux d'assiette fracassés, dans la viande et le jus, dans les pots des ficus, dans la commode, dans la porte, dans le chevet, dans la lampe tombée. Toutes les tables seront trop hautes, trop basse. Il faudra surélever les chaises ou bien se tenir debout et consentir à 1000 flexions ridicules pour atteindre le bord de l'assiette. Il faudra des murs contre toutes les tables pour retenir les assiettes mouvantes, des Sylvia pour ramasser la viande, nettoyer les taches de sauce, et chaque repas s'étirera des heures et torturera ses muscles, et l'appréhension nourra son estomac. Et avant ça, lui faudra quelqu'un pour la couper, la viande, toujours, cette viande forcément cuisinée par d'autres, quelqu'un pour la servir, pour poser l'assiette sur la table, et avant ça encore, quelqu'un pour fixer la cuillère s'il échoue à ouvrir la pince, et avant ça, quelqu'un pour lui mettre l'appareil et pour serrer la sangle, et il faudra s'en remettre aux mains disponibles parce que Madame Dumont ne suffira pas, qui passe en coup de vent vers 8h, de 9h le matin et accepte toute la vie, 1000 mariages arrangés, accepter ça. S'il pouvait sans doute, comme le médecin expert, il me fusillerait du regard, moi l'auteur, parce que la désarticulation scapulo-humérale ne lui laisse aucune chance. Il rejette le dos en arrière, il secoue ses acromions, ses omoplates en contorsion spectaculaire jusqu'à ce que l'appareil chute dans un bruit formidable. J'arrête. Merci beaucoup, Valentine. Vous maniez avec beaucoup de réalisme et de sensorialité ce que peut éprouver une personne dans cette situation-là, et on voit qu'on a affaire à une palette de sentiments. La performance, elle doit traverser ce gradient émotionnel, la tristesse, la neurasthénie, la colère, l'humiliation aussi, dans une sorte de régression infantile, tout réapprendre. Iseline, comment résonne cet extrait de texte à vous qui devez souvent accueillir, j'imagine, de telles émotions dans vos expériences avec les patients avec lesquels vous interagissez? Oui, en fait, cette expérience de la frustration qui est permanente, à mon sens, crée une inhibition très très forte et une acceptation d'être toujours en situation contraignante. Et même quand on voit face à des situations que nous n'accepterions pas, eh bien, d'hospitalisation, de contexte inadapté, eh bien, c'est en fait malheureusement, dans beaucoup de cas, des patients tolèrent ces situations et n'en parlent même plus. Donc c'est voilà, c'est comment un morceau de viande peut devenir aussi vivant et devenir même attaquant pour un individu. C'est des situations qui malheureusement font partie voilà, du quotidien de chaque patient et auquel nous n'avons jamais à faire face. Donc c'est voilà, très dommageable que ça ne puisse pas s'exprimer plus souvent. Avant de passer à la première démo scientifique, est-ce que Véronique voulait réagir sur cette question? En fait, c'est un sentiment qu'on peut ressentir quand on est athlète et blessé. La blessure chez un athlète, et un des aspects de mon travail, c'est d'éviter le surentraînement et la blessure, la fracture de fatigue qui, quand elle arrive au bassin ou dans des endroits un peu surgrenus parfois, qui est longue à être diagnostiquée, handicape la personne pour 1 an, quoi. Et voilà, c'est à degré moindre, mais une super frustration. Ouais. Ouais, tout à fait. Puis en plus, il y a une addiction souvent au sport intense. Donc il faut déjà en plus se désintoxiquer et commencer à penser à autre chose, à réinvestir son temps, à faire autre chose. Parce que le sport structure souvent l'emploi du temps des personnes qui sont très investies dedans. Et ça comble un vide, et voilà. Donc il n'y a pas de performance sans qu'il y ait de vie. On dit qu'on vieillit comme on a vécu, on fait du sport comme on vit. Si on a une vie qui est uniquement centrée sur la pratique sportive, même de haut niveau, c'est no way, quoi. C'est sans issue. Il faut que la vie soit pleine pour faire des performances. Enfin, ça, c'est mon avis. Voilà. C'est un très bel adage, en tout cas. Vous avez cité le mot de frustration. Et vous, Iseline, dans vos travaux, vous travaillez aussi sur la frustration. Je l'ai dit tout à l'heure, vous travaillez sur la restauration du geste, du mouvement, à travers un procédé qu'on appelle la sonification. Alors, qu'est-ce qu'avoir le son avec le geste? Est-ce que vous pouvez nous définir ce concept? Clarifier un petit peu. Bon, même si la terminologie de sonification du mouvement est assez transparente, on a des exemples hein, dans notre quotidien de sonification, puisque si vous utilisez une carte de transport, le fait de passer votre carte sur une borne est associé un son selon votre validité ou non de votre abonnement. Si vous avez une voiture, vous avez peut-être un radar de recul qui vous permet d'estimer la distance en fonction de la fréquence du son. Bref, ça, ce sont des situations de sonification que nous avons au quotidien. Et là, dans le cas de la sonification du mouvement, le principe est donc d'associer un retour sonore au geste, à des paramètres du mouvement tels que la trajectoire, la vitesse ou encore l'amplitude du mouvement. Et ce que je vous propose, c'est de tester un petit dispositif de sonification, là pas du mouvement à proprement parler, puisqu'on n'est pas dans un suivi de mouvement, mais plutôt de posture. Donc je vous propose, si certains d'entre vous, 5 personnes, veulent monter pour essayer, on pourrait donc vous présenter. Il faut vous sacrifier, sinon on va utiliser nos intervenantes, elles sont déjà pas mal éprouvées. Donc, parmi vous, est-ce que certains seraient tentés par tester un dispositif de sonification? Madame, là-bas, on a la plus courageuse de la salle. Est-ce que parmi vous? Ah, moi, je veux bien, si c'est... Oui. Alors, on peut faire une petite expérience collective. Donc, on va tout simplement utiliser des iPods. Oui, c'est mon ami. Donc, je vais vous montrer les gestes à réaliser. Avec mon téléphone? Non, avec l'iPod. Donc, je vous propose de prendre l'iPod dans votre main gauche. Et donc, oui, approchez tous ceux qui souhaitent venir. Je vais vous demander de me tendre votre main gauche. Peut-être qu'on peut, oui, voilà, se mettre dans le coin, là. Ouais, comment? On peut se mettre en cercle dans le coin. Ou... Oui, mais ça va faire une différence. Donc, Est-ce qu'il y a une rampe sur cette scène? Si vous pouvez, oui, ce serait... Elle est là, mais... de l'autre côté. Très bien, alors s'il y a la rampe, ça sera parfait. Donc je vous invite à monter tous sur scène. Donc, ça va aller, Iseline? Je vais prendre votre main gauche. 3... Il faut une quatrième personne. Ce sera suffisant. Après, si l'une d'entre vous veut... Il n'y a personne qui veut y aller dans la salle. Monsieur? Si, il y a personne qui veut. J'emprunte votre main gauche. Voilà, main gauche. Merci beaucoup aux courageux qui se prêtent à cette petite expérience collective. Donc, je vous propose qu'on se mette en cercle. Et on va donc pouvoir tester différentes sonorités en fonction de notre posture. Comme vous le voyez, lorsque nous avons la main à plat, nous n'avons pas de son. Et si on abaisse notre son, on aura donc un son de pluie. On peut revenir au silence. Ok. Donc, si on n'est pas exactement tous dans la même position, on peut entendre que nous n'avons pas le même retour sonore. Et si vous êtes d'accord, ce que je vous propose, est-ce que vous avez mémorisé les sonorités? À plat, le silence. En bas, l'eau. En haut, les oiseaux. Et on peut revenir à plat et avoir sur le côté des cloches. C'est bon pour vous? Donc si vous êtes d'accord, je vous propose un petit jeu, les yeux fermés, où on va essayer d'obtenir tous le même retour sonore en suivant donc des postures. Allons-y, les yeux fermés. et vous pouvez rouvrir les yeux. Bon, ça a plutôt pas mal fonctionné. Est-ce que vous avez pu observer, ceux qui avaient les yeux ouverts, comment on se synchronisait progressivement? Je ne sais pas si ça se passait de proche en proche, c'est-à-dire petit à petit, ou si, au contraire, les interactions se passaient au-delà de la proximité. Alors moi, je n'ai pas observé un phénomène de localité, mais j'étais impressionnée par le paysage sonore qui s'instaure et qui nous enveloppe. Je ne sais pas, Valentine, quelle réaction? En fait, oui, non, j'ai eu la chance de voir les vidéos. Oui, donc, on a un peu triché. Je suis contente de le voir en vrai maintenant, mais non, c'est très impressionnant. Alors, moi, je connaissais la visualisation. C'est comment, en fait, quand le cerveau produit des images, il dicte des mouvements, éventuellement d'ailleurs à une machine, quand les êtres humains ne peuvent pas le faire, l'écriture, ce genre de choses-là. Mais j'avais jamais imaginé, en fait, qu'on puisse traduire de façon sonore le mouvement. Oui. Et je dirais que c'est très beau, au-delà de la fonction même on n'était pas de votre projet. Dans un exercice de réflexion, mais on était... On parlait de chorégraphie tout à l'heure, mais moi, c'est ça que je vois, en fait. Et c'est beau de voir aussi comment tout se synchronise entre vous. C'est pour ça que je parle aussi de chorégraphie. Que... Tout à fait. Là, c'était un petit peu sous forme d'un jeu de chef d'orchestre. Et c'est très intéressant de le faire justement les yeux fermés, puisque ça donne un rapport complètement différent déjà au sein du groupe, bien sûr pour l'espace, mais on est dans la nécessité de tendre l'oreille et de se faire confiance mutuellement. Et donc on a un niveau d'écoute qui n'est pas comparable avec d'autres situations. Et là... Pour ma part, pour avoir déjà testé plusieurs fois ce petit jeu, j'ai été assez impressionnée parce que la réactivité était vraiment importante. Il y avait très peu de délai entre les changements que je proposais. Il y avait un suivi tout de suite. Donc, bravo, vous avez bien ouvert vos oreilles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais pas si je peux faire un petit commentaire de plus. Ouais, puis c'est impressionnant ce gradient qu'on peut percevoir à l'oreille, on peut deviner le geste. Et moi, alors, dans la séquence. C'est vrai que dans l'expérience sensorielle, ce qui m'intéresse beaucoup, souvent aussi, c'est d'essayer de laisser de côté la vue, parce qu'on vraiment vit dans un monde où l'œil est hégémonique et où la vue anesthésie tout le reste de nos sens. Je trouve très intéressant que vous passiez par l'oreille, parce que ça donne une épaisseur à certains sens qui sont complètement mis à l'écart par cette fonction que l'image a constamment, en fait. Oui, nécessairement. Bon, nous sommes à l'IRCAM et c'est vrai que c'est la spécialité, donc notre volonté était justement de passer quasi exclusivement par ce sens privilégié plutôt que la vision. Ce dont je rêverais maintenant, c'est effectivement, j'en parlais à votre directeur de thèse, c'est d'associer un niveau d'intensité d'effort, pouvoir enseigner la personne en train de courir sur son... En fonction, pour valider ses sensations, lui donner la musique afférente à son niveau de requête énergétique, ouais, d'intensité. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Hein, pour une deuxième thèse. Au niveau technique, il n'y a pas vraiment d'obstacle pour réaliser ça. Et ben voilà, là où naissent les idées. Là. Je suis venue pour ça. Hein. J'ai vu les invités. Mais c'est vrai que l'infusion de la technologie dans le process de recherche et de soins, je me posais la question, Véronique, vous, comment vous travaillez? Quelle est votre méthode? On l'a dit, vous travaillez avec des capteurs, donc c'est vraiment quelque chose de très quantifiable. Ouais. Alors, dans un premier temps, il y a des interfaces peut-être humain-machine. Alors au début, c'est très simple. On fait un test, on demande aux gens de courir 10 minutes à allure facile, ils se reposent 1 minute, après on leur demande de faire un sprint. Ils se reposent 1 minute, 5 minutes à allure moyenne. Ça, c'est le plus difficile. Les gens ont du mal à situer ce que c'est que le moyen. 1 minute de récup, 3 minutes à fond, 1 minute de récup et 30 secondes à all-out maximum. Et ensuite, de nouveau, 10 minutes faciles. Et pendant ce temps-là, les gens ont un panel de capteurs, la consommation d'oxygène, l'électroencéphalogramme. Mais on peut faire aussi ça avec un cardiofréquencemètre. J'ai fait soutenir des thèses, justement, validant le fait qu'avec un simple cardio-GPS, on pouvait approximer quand même bien ce qui se passe. Parce que quand on met tous les capteurs... Un cardio-GPS, c'est-à-dire qui mesure... vous savez, ce qu'on met, les montres qui mesurent l'actimétrie... Qui cartographie en même temps les déplacements. Oui, qui mesure, c'est un GPS, il y a même un actimètre dedans, maintenant. Et après, une fois qu'on a fait ça, on a toute une séance de... Donc on a un radar énergétique qui donne une note de puissance énergétique, d'endurance, enfin je vulgarise les termes, hein, de tolérance à... donc en fait qui mesure le moteur thermique, le moteur électrique, en quelque sorte on a un moteur hybride, on a même deux moteurs électriques, et la qualité du pilotage. C'est-à-dire quand on demande de faire quelque chose de facile, est-ce que tu fais vraiment quelque chose de facile? Et après, on a un radar avec des notes, un indice. Il faut déjà étalonner pour savoir. Oui, on étalonne, mais en une demi-heure, c'est fait. Ça, on a un algorithme. Non, non, mais on a fait passer des thèses. Ça fait 10 ans qu'on a créé la société, donc j'ai fait des thèses de collaboration au Matinfo. Donc voilà, hein, c'est ça qui est intéressant, travailler en interdisciplinarité. Ça, c'est essentiel. Et la recherche française n'est pas du tout capée pour faire ça. Les promotions des carrières se font par monodiscipline. Si vous publiez en interdisciplinarité, les promotions sont plus difficiles. Pourtant, les politiques de recherche valorisent le transdisciplinaire, ouais. Le pluridisciplinaire, mais en acte, ouais, c'est oui. Vrai que c'est encore assez étanche. Ouais, voilà, on va dire ça ouais, pour les carrières. Et donc, on a fait ça. Et après, c'est hyper simple. Là, je mets en jeu mon savoir-faire d'entraîneur, parce que j'ai quand même passé les diplômes d'entraîneur. Et on transforme ça en séance d'entraînement avec un code couleur et un code de sensation. Et après, les gens nous renvoient, on est connecté à Strava, s'ils ont une montre, justement après ils ont une montre, et les datas sont uniquement, automatiquement retransmis sur notre plateforme informatique. On a une plateforme digitale qui a été mise au point par Strava, paf, il y a un API, et donc les données, bah, la personne rentre chez elle, c'est connecté en ligne directe, ça arrive chez nous, et nous c'est analysé. Et on voit si la personne progresse dans ses sensations. Et on réajuste l'entraînement en fonction de ce qu'elle était au départ et comment elle se transforme. Voilà. Et on a des bons taux de progression en 8 semaines. On arrive à des bons taux de progression de l'ordre de 10%. On considère qu'il faut que ce soit plus de 5% pour que ce soit significatif. Hein, parce qu'on a une variabilité de jour après jour normale, selon l'humeur, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que la philosophie, je termine là-dessus, c'est que cet entraînement à la sensation, il y a des jours où on n'a pas envie, on y va quand même. Et dans le temps, on faisait, tu vas faire 4 fois 1000 en 3 minutes 10. Et puis si on les faisait en 3 minutes 8, on rentrait chez soi frustré. Et je lutte contre ça en disant, bah, t'es crevé, tout ça, bah, c'est pas grave. La sensation, elle s'ajuste en fonction de ta fatigue du jour. Ton facile d'aujourd'hui, il est peut-être plus facile en valeur absolue que le facile de la veille. Ça, on le voit avec le cardio, le GPS. Donc maintenant, il y en a qui sont pas chers. Ça s'est démocratisé. On n'a plus besoin que de ça. Puis après, un jour, on n'aura même plus besoin de ça. Une fois qu'on se connaît bien. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je veux dire, voilà, c'est... Et puis en plus, ce qui est intéressant, quand on vieillit, on est de plus en plus connecté à soi-même. Il y a une sagesse du corps qui fait qu'on se connaît mieux, finalement, et on devient un meilleur pilote, même si le moteur est un peu... Et voilà. Puis le corps évolue, donc il faut ajuster sa connaissance à l'évolution de notre corps qui devient peut-être plus sagace, mais peut-être avec ses faiblesses composées avec ça. Il n'y a pas de faiblesse. Non, il n'y a pas de faiblesse. Moi, je vis avec des animaux. Les animaux, ben... Vous avez une chienne. Ouais. Elle a 5 mois et demi. J'enchaîne à chaque fois. C'est ma 8e. Et berger allemand, toujours. Et c'est des chiens... en fait, quand les chiens ils sont blessés, moi, la mienne, elle avait 12 ans, elle a terminé avec une embolie. Enfin, voilà. Ils trouvent toujours le moyen de faire quelque chose. C'est exactement ce que... Enfin, je ne vais pas comparer à un animal, excuse-moi. Mais... Les animaux... Ouais. Mais on s'adapte. Ouais, ils s'adaptent et ils comparent pas à ce qu'ils pouvaient faire avant. Et c'est le point commun avec Robert Marchand, le centenaire dont je me suis occupée, qui avait le record du monde cycliste. Robert était incroyable. Et quand on allait chez lui, il habitait le rez-de-chaussée à Mitrimori d'un petit HLM. Et il avait vu quand même 2 guerres. Hein. Il avait vu Hitler dans Paris et la Première Guerre mondiale. Et il est mort là, à 109 ans, et dans un EHPAD, malheureusement. Et ben, il faisait encore le Tour de France sur son vélo devant la télé. Voilà, quand il ne pouvait plus aller dehors, parce qu'il avait un problème d'équilibre d'oreille interne. Et il n'était pas à chouiner après ce qu'il ne pouvait plus faire. Il avait toujours... parce que déjà, il était intéressé par les autres. Et il était très socialisé. Et encore, le sport, c'est aussi un vecteur de socialisation. Il ne faut pas oublier ça. Et ce qu'on perd peut-être en moteur... eh ben, on le gagne en les rapports. Enfin, l'essence de l'homme, c'est quand même les rapports sociaux. Et si le sport peut déjà permettre de se connecter aux autres, eh ben, déjà, c'est gagné, quoi. Oui, il faut un développement agile. Ouais. Et vous, Valentine Goby, j'imagine que pour tisser vos romans avec des intrigues aussi réalistes et sensibles, il faut faire un travail incommensurable de documentation, d'enquête, même... Vous avez côtoyé le milieu de la santé, il me semble. Oui, alors c'est pas incommensurable, sinon je serais pas arrivée au bout, non, mais c'est assez quand même colossal. Quand on lit un peu vos ouvrages, ça va jusque dans le détail de la sensation, donc j'imagine. Ouais. Bon, là, il y a plein de choses hein, qui précèdent l'écriture, qui sont déjà de l'écriture, mais qui demandent un effort un peu différent de celui vraiment de l'écriture du roman au sens propre. Il y a toute une page de remerciements à la fin qui revient sur un certain nombre de personnes qui ont beaucoup compté. J'ai eu la chance en fait d'être accueillie à l'hôpital d'instruction des armées de Percy. C'est une blessure de guerre en fait hein, que subit mon personnage. Aujourd'hui, c'est là qu'on l'emmènerait. Voilà. À l'époque, il n'y avait rien. Moi, j'ai été inspirée pour écrire cette histoire par le personnage de Zhang Tao, qui a été le champion du monde de nage paralympique. Chez les amputés des membres supérieurs, et j'ai vu en fait les Jeux paralympiques de natation en 2016 à la télévision par hasard. C'est vraiment une figure qui m'a impressionnée et j'ai eu envie d'écrire à partir d'un corps comme celui-là. J'ai déplacé l'affaire dans le temps pour les raisons d'ailleurs que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire pour qu'une histoire individuelle prenne sens aussi dans une histoire collective. Le mouvement et l'individu, ça n'a pas de sens en fait, hors d'une société. Donc j'ai changé mon époque, mais il y avait quand même des gestes que je connaissais pas, et moi j'ai un cursus absolument littéraire. Généralement mes romans me permettent d'aller vers des domaines qui me sont totalement étrangers, mais que j'aime apprendre à connaître par l'écriture, et notamment par l'apprentissage d'une langue. Il y a une langue particulière de la médecine, de l'appareillage, des grands brûlés, voilà. Et donc Percy a été un lieu extraordinaire où j'ai vraiment été en contact avec tous les médecins, avec des patients. J'ai pu rencontrer des médecins aussi à la retraite, parce que les gestes eux-mêmes, hein, là on parle des gestes de François, mais les gestes du médecin ont changé. Il n'y a pas de coma artificiel, par exemple, dans les années 50, ce qui veut dire que mon personnage subit en conscience la totalité des mouvements et des gestes des soignants. Donc je ne pouvais pas m'extraire en fait de cette nécessité de me documenter très précisément. Et puis l'autre partie, c'était la Fédération Handisport, avec des entraîneurs vivants aujourd'hui et des sportifs actuels, mais aussi des sportifs avec des corps un peu différents qui ont participé à la naissance du handisport dans les années 50, qui sont aujourd'hui des gens âgés, donc qui ont un rapport au sport qui a changé aussi. Et donc ça, c'était évidemment très intéressant. Il faut savoir que le handisport, il est arrivé essentiellement avec les blessés de guerre. Dans certains pays, c'est vraiment les associations d'anciens combattants qui ont été à l'origine de la naissance du handisport. En France, ce sont plutôt des civils, parce que ce sont les résistants qui, très jeunes, 20 ans, 22 ans, 23 ans, sont revenus avec une jambe en moins, un œil en moins, après la guerre, et se sont dit « on est jeunes, on ne veut pas avoir déjà des corps de vieillards, on sait bien qu'on n'aura pas la figure héroïque du mutilé de guerre qui a une carte qui lui permet de trouver une place assise dans le métro, mais nous, on va fabriquer du matériel de ski, on va faire du ski, on va fabriquer du matériel pour courir et on va courir. » Et donc, c'est des gens qui ont travaillé aussi beaucoup sur la notion de sociabilité et de partage, d'emblée. Ce qui est à la fois une grande ressource et puis un peu effrayant, parce que entrer dans la société du handicap, c'est aussi être entouré de gens dont la fréquentation un peu exclusive à cette époque-là peut effrayer, et ça ramène à sa propre différence, voire, pour le dire vraiment comme c'était, à sa propre laideur et à sa propre déficience, parce que c'est ça le mot qu'on utilisait à l'époque. Mais à Fontainebleau, il y a Bataillon de Joinville, il y a effectivement, moi j'ai eu l'occasion de tester l'équipe de France de marathon militaire, et il y a l'entraîneur qui s'occupait a été muté aux blessés de guerre, opération spéciale, et il s'occupe de l'entraînement de ces gars qui sont jeunes et qui ont... Ça continue à être jour des guerres, hein. Donc là, il s'occupe à Fontainebleau. Et là, il y avait un grand rassemblement international en Allemagne sur ça, les blessés de guerre, comment les réhabiliter par le sport. Voilà. Donc c'est actuel. Alors réhabiliter par le sport et par le soin. Iseline, on va pouvoir passer à la deuxième démonstration, parce que là, on a vu le procédé de sonification, mais il a, dans votre champ, des applications thérapeutiques, on l'a dit, on va pouvoir... Oui, tout à fait. On va le voir. Je vais juste rebondir sur là cet aspect de l'homme social qui est au cœur en réalité des enjeux et du processus de rééducation et justement qui a été au cœur du développement du dispositif qui a été élaboré au cours de la thèse, puisque là l'objectif a été de centrer la conception du dispositif sur le binôme patient thérapeute, qui est en fait essentiel puisque nécessairement la situation de handicap est propice à l'isolement. Et en l'occurrence, un des liens qui peut par contre perdurer, c'est le lien au moins à minima avec son thérapeute, pendant la phase d'hospitalisation bien évidemment, mais le point critique est lors de la sortie de l'hospitalisation. Et donc pour créer une forme de lien, de perpétuation du lien, eh bien, les systèmes d'autorééducation qui sont proposés maintenant se doivent de valoriser la pérennité de ce lien. C'est pour ça que donc, le dispositif a été créé en prenant en considération ce binôme, ces interactions indispensables entre le patient et le thérapeute. Et donc maintenant, je vais vous proposer donc, de découvrir très brièvement le fonctionnement de ce petit dispositif qui a fait donc l'objet de mon travail de thèse. Donc si quelqu'un est d'accord pour justement tester à nouveau, ben, vous êtes le bienvenu. On va prendre une situation un peu plus concrète. On a besoin d'une personne, c'est ça? Et voilà, j'ai besoin d'un volontaire. Alors donc, le dispositif s'appelle Como Rééducation. Exactement, donc le dispositif s'appelle Como Rééducation. Il prend la forme d'un kit avec donc, des capteurs qui sont placés sur l'avant-bras et le bras et qui permettent un suivi donc, du mouvement et de l'associer à des retours sonores. Et on est parti d'exercices de rééducation qui étaient proposés en ergothérapie et en kinésithérapie pour les associer donc, à des retours sonores. Et donc, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien vous montrer un exemple d'exercice. On est tout à fait d'accord. Vous êtes tout à fait d'accord, ça tombe bien. Je vais devoir choisir quelqu'un si personne. Ah, monsieur là-bas. Il a timidement levé. Donc, merci beaucoup de vous prêter à nouveau à ce. En attendant l'installation, j'aimerais bien rebondir sur une notion qui a été soulevée par vous, Véronique. C'est le côté du geste du médecin qui, avec le patient, évolue. Maintenant, on parle de binôme. Donc, je vais vous installer un capteur. J'ai aussi parlé des médecins, mais je crois que je ne suis pas toute seule. Non, avec cette idée où vraiment le patient est au centre du processus thérapeutique et que maintenant, on ne subit plus un soin, c'est vraiment une connaissance qui émane à la fois du patient et du médecin, du thérapeute. Les deux sont sachants. C'est la position du sachant, en fait, hein, qui a beaucoup changé. Bah, l'ergothérapie repose, en fait, sur cette idée que... Avec une dimension écologique, là, pour le coup. Que chaque corps, en fait, a son propre mouvement, ses propres limites, et qu'on doit réapprendre le mouvement en fonction de ses propres capacités, et donc tenir compte de la parole du patient. Moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de cette relation... patient-médecin, mais la position de surplomb, en tout cas, est plus de mise. Oui, la position un peu verticale et autoritaire. Et peut-être aussi, quand vous entraînez vos athlètes, il y a moins cette position verticale. Et les personnes, souvent, sont très renseignées sur Internet. Et on doit lutter contre l'obscurantisme, le jargon sur Internet. Les gens se croient scientifiques. Et ils véhiculent des idées, parce qu'en fait, les choses qu'on faisait il y a 40 ans sont maintenant... moi j'ai fait ma thèse sur un concept de seuil lactique qui est complètement désuet et par contre c'est hyper à la mode maintenant, et les gens achètent des appareils pour mesurer le lactate sanguin, les kits sur le terrain, notamment dans les équipes nationales, bref, et ils mesurent plein de trucs, mais les concepts sont plus là. On est envahi par la technologie, bon c'est commercial, mais finalement on perd le sens de ce qu'on fait, et on doit lutter contre tout cette armada de podcasts, Bon, du coup, je participe à des podcasts, j'essaye on m'y invite, alors les gens prennent du risque, j'essaye de me contenir et de faire progresser des idées. Moi-même, j'ai une chaîne YouTube, etc. J'essaye de m'immiscer dans ça, mais encore là, j'enseigne ce matin les licences en STAPS. Bon, bah, ils sont pleins de... Je veux être la meilleure version de moi-même. Ah oui, je veux être gros et sec. Voilà. Donc je suis obligée de regarder tous ces influenceurs là pour être au courant. Thibaut Henchep, Eric Flagg, etc. Oh madame, vous êtes connectée. Bah, j'ai dit bah ouais, j'ai intérêt parce que sinon je peux plus enseigner comme je faisais avant. Là maintenant je fais des escape games. Ah oui. Pour enseigner la physiologie. Empirique quoi. Bah non, en mais tout cas, il y a des missions, les capteurs et les dispositifs ne sont pas que viciés, ils peuvent être vertueux et d'ailleurs, on va pouvoir le voir tout de suite oui. avec la deuxième démonstration Como Rééducation. Donc, ce que je vous propose, c'est un exercice qui serait parallèle à une situation d'étirement quotidien. Je vais vous proposer de prendre une position, par exemple le bras devant vous, et je vais l'associer à un retour sonore. Est-ce que vous avez une préférence dans des extraits musicaux? On a proposé soit classique, soit jazz, soit pop, soit latino, soit relaxation. C'est très cliché, mais c'est pour laisser un peu de choix. Est-ce que vous avez... Latino, c'est parti. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va faire une petite calibration qui va nous permettre de prendre une référence. Donc, je vais vous prévenir quand voilà, on va lancer la calibration. Je vais vous demander de ne pas bouger pendant ce temps-là. Et donc maintenant, si vous bougez, vous perdez le son. Si vous vous remettez à votre place, on va essayer d'orienter un petit peu pour essayer de retrouver. Voilà. Donc là, on a un volume sonore qui va être indexé aux oscillations de posture. Et donc, ça va permettre au patient de vérifier qu'il maintient correctement sa position et son étirement. On a différents niveaux de difficulté, bien évidemment. Là, j'ai mis un niveau de difficulté important. Mais vous vous entendez très bien. Vous pouvez baisser le bras. Donc ça, c'est une situation typique où on va pouvoir ajuster, le thérapeute va pouvoir ajuster justement la difficulté. Le patient pourra choisir le retour sonore qui lui convient pour réaliser donc un exercice qui, en soi, quotidiennement, peut-être peut manquer d'attrait. On peut faire une autre situation où là, on va avoir un suivi de votre mouvement. Donc, je vais vous proposer de naviguer entre deux positions. Donc, par exemple, vous pouvez partir main sur votre épaule. Voilà. Et je vais donc enregistrer cette posture. Donc, pareil, pendant la petite calibration, ne bougez pas. Et, par exemple, vous pouvez mettre le bras, voilà, parallèle au sol. Parfait. Et vous allez pouvoir naviguer de votre position de départ. Très bien. À votre position d'arrivée. Et voilà. Et en fonction justement de l'ajustement, de la hauteur de l'épaule, de l'angle du coude, voilà, on a un suivi du mouvement. Très bien, merci beaucoup. On peut vous féliciter pour bravo. Cette très belle démo. Merci beaucoup. Valentine ou Véronique, une réaction à ce que vous venez de découvrir? Moi, ce qui me fascine, c'est que j'entends Iseline mettre en avant l'aspect du coup plus attrayant de l'exercice. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est pas du tout le caractère agréable de l'exercice, c'est la précision extrême qu'engendre en fait ce dispositif. C'est-à-dire que quand on fait un mouvement de rééducation et qu'on est seul, on n'est pas toujours en effet avec le patient, c'est très difficile de s'assurer qu'il est bon, qu'il est exact. Et je trouve que ce dispositif sonore a quelque chose, pas seulement de plaisant, mais vraiment de très ambitieux et de rassurant aussi pour le patient qui fait l'effort. C'est-à-dire que le mouvement à produire est enregistré de manière tellement précise qu'on a tout de suite en fait la traduction de son accomplissement dans le bon sens ou de manière approximative. Mais on pourrait presque apprendre à danser comme ça, je me dis. Enfin, moi, je trouve que ça ouvre des portes d'imaginaire extraordinaires. On pourrait apprendre à danser. Dans son mouvement, on peut faire une métrique. Mais oui, mais c'est ça. Et je sais pas, j'imagine que dans la pratique sportive, comment bien sauter une haie, j'en sais rien. Enfin, On aura des indicateurs sonores. Bien gérer sa variation de vitesse, son niveau d'effort, tout simplement déjà, son énergie au cours du temps, bien la gérer, pouvoir endurer et avoir une bonne vitesse de base moyenne et ne pas rester à vitesse constante, surtout pas. Ça, c'est antiphysiologique, mais savoir comment varier sa vitesse pour tirer le meilleur de son moteur hybride. Et donc le son serait un bon guide. Ah oui, on passerait d'une musique à l'autre. Effectivement, on pourrait se mettre une musique qu'on n'aime pas. Là, il ne faut pas y aller, quoi. Cette question des préférences est assez centrale, justement, dans le travail de design sonore. Mais je vais rebondir sur ce que disait Valentine. Vous ne croyez pas si bien dire. En réalité, les dispositifs de sonification du mouvement partent des situations de création scénique, et justement avec des danseurs notamment. Et ça a été énormément utilisé dans le cadre ensuite de la recherche pour la pratique sportive, et notamment pour aller séquencer le mouvement du crawl ou d'autres types de mouvements, pour l'aviron beaucoup. Voilà, donc ça a été testé dans beaucoup de ces situations. Donc c'est vraiment un dispositif qui peut se généraliser à d'autres domaines artistiques et même thérapeutiques. Je voulais juste, avant, revenir sur l'expérience avec les patients. Comment ça se passe quand vous expliquez le procédé? Est-ce qu'il y a une bonne réception? Est-ce que c'est facile? Pour nous, c'est facile, mais on n'est pas dans un corps blessé. Complètement. Alors, l'avantage, c'est que là, on a les moyens, justement, d'ajuster on va dire tous les paramètres de retour sonore en fonction du point de départ du patient. C'est-à-dire que même dans la situation où il est très limité dans son mouvement, on a tout à fait la possibilité d'avoir des retours sonores à minima qui vont être porteurs. Et donc la réceptivité, justement, de la manière dont les patients ont reçu ce type de dispositif était assez réconfortant, puisque l'usage qu'ils ont pu en avoir dans le cadre de protocoles de recherche, donc c'est quand même pas de la situation de vie réelle, était très encourageante, dans le sens où les termes qu'ils exprimaient spontanément avaient attrait à l'intuition, justement. Voilà, c'est un dispositif qui, selon eux, avait une forme d'utilisation intuitive, au-delà d'aspects voilà, motivants par le fait d'avoir un retour sonore. Merci. Valentine, vous aviez préparé un second extrait de Murène. Je vois que l'heure tourne, malheureusement. On a encore tant de choses à se dire, mais j'aimerais quand même que vous ayez l'occasion de poursuivre cette lecture et de peut-être de recontextualiser ce passage. Donc mon personnage n'a pas la chance d'avoir Iseline dans sa vie, ni Véronique, et pas beaucoup d'aide extérieure, en fait, à part son imagination. Alors tout à l'heure, quand vous évoquiez la sensation et comment j'avais travaillé pour restituer la sensation, il y a aussi tout simplement une indication fondamentale que m'ont donnée les gens avec lesquels j'ai travaillé à l'hôpital, puisqu'à l'époque, il n'existait aucun dispositif d'aide en dehors de ces prothèses mécaniques quasiment impossibles à manipuler. Ils m'ont demandé, enfin, ils m'ont conseillé de vivre sans bras. Parce que mon personnage, au fond, c'est ce qu'il a fait. Il est arrivé chez lui et puis il a bien fallu qu'il trouve lui-même des moyens de se débrouiller. Et voilà des petites inventions qui ont nourri mon roman et qui ont été validées par les ergothérapeutes. Alors en pratique, quelques semaines et pas tout le temps, voilà. Mais c'est breveté et complètement obsolète maintenant, mais voilà. Il veut en finir avec le manque, cet espoir fou d'une réparation, d'un comblement de la perte, cette affaire d'imagination. Il fait changer les poignées de porte, supprimer les boutons dont la manipulation exige un mouvement de prosupination, autrement dit un poignet, et visser à la place des béquilles abaissables du menton. Il fait attacher des ficelles aux tiroirs, aux portes de placard qu'il peut tirer entre les dents. Il travaille la pince menton-clavicule pour transporter les objets petits. Il se rappelle la boîte à pique inspirée à Sylvia par un fakir anglais. On coupe sa nourriture et on la fixe pour lui sur des clous aux pointes limées. Il commande à Mum une série de pantalons à ceinture élastique, simples à baisser et remonter par pincement d'orteils, flexion et déhanchement à la façon des survêtements. Il fait fixer ses slips à l'intérieur par une série de boutons pression et bientôt, invention merveilleuse, des bandes velcro. Il fait rattacher les chemises aux vestes et les chemises aux pulls en un unique vêtement. Ça s'apprend vite. Ôter un pantalon, une chemise. Le grand défi, c'est s'habiller. Le tissu résiste en plis souples. À un moment, dans l'atelier, il voit le panier à chute, un sac de coton fixé sur deux tréteaux ouverts en X, noué par des boucles aux quatre angles. Ça y est, il sait. Il voit précisément l'objet. Deux tréteaux croisés d'une hauteur de 80 cm sur lesquels écarter, enrouler l'élastique du pantalon afin qu'il passe aisément chaque jambe et puisse s'asseoir au fond comme dans un baudrier, détachant sans effort la ceinture élastique aux angles des tréteaux. Il voit une femme dehors dont la jupe gonfle sous le vent. Il pense aux armatures des robes à cerceaux. Les robes à cerceaux, ça peut se suspendre et se vêtir par en dessous. C'est exactement ça qu'il faut, un vêtement rigide et suspendu. L'ennemi, c'est le mou. Il imagine une structure cylindrique légère, une sorte de grand abat-jour, mettons 1,15 m de hauteur pour pouvoir passer en dessous, d'un diamètre un peu supérieur à sa largeur d'épaule, de telle sorte que son buste puisse traverser le cylindre. Sur la structure, on enfilera la chemise en laissant le col ouvert pour le passage de la tête. Il s'y glissera comme dans un tube, le torse soulevant le vêtement une fois la tête jaillie du col. Il n'aura plus qu'à se relever complètement et à se dégager du cylindre. Il voit par la fenêtre le petit Joseph tirer des fléchettes au fusil en bois. Il rentre chez lui une fléchette dans la bouche. Il colle la petite ventouse au carrelage derrière le lavabo, fait vibrer le manche d'un coup de menton, le manche tremble autour de la ventouse, ça tient. Il fait acheter par Mum 5 boîtes de fléchettes Eureka. Il fait carreler le pourtour de la petite baignoire, puis fixer au carrelage un mur d'éponge, maintenu chacune par une ventouse. Il demande à son père de fabriquer un socle en bois, fiché d'une pointe de métal sur lequel on pique un savon, muni d'une anse dans laquelle il passera son pied. Il imagine une grande serviette ventousée au carreau. La ventouse permet de fixer une brosse à cheveux, des brosses à dents. C'est aux ventouses qu'il doit de pouvoir remonter ses pantalons jusqu'à la taille en quittant les toilettes. Mum a cousu un anneau à l'arrière de ses ceintures. Robert a fixé un crochet à ventouse qu'il a collé au mur. François n'a qu'à glisser l'anneau dans le crochet, puis à fléchir les genoux. Le pantalon se repositionne. François multiplie les trouvailles, change le manque en désir, son versant heureux. Des ruisseaux de sérotonine affluent à son cerveau. Un jour même, il surmonte une honte d'apparence indépassable. Le père s'efforce de ne pas le regarder pour qu'il puisse rougir sans témoin, ravalant sa gêne tandis que François évoque cette bizarrerie, l'hygiène au jet d'eau pour la toilette intime dans les pays arabes. Il tient ça d'un copain libanais connu sur un chantier ailleurs. Il en avait bien ri à l'époque. Une fontaine qui te pisse au cul. Ce serait toujours moins humiliant que se faire torcher à 8 h chaque matin par une tierce personne. Ça fait des jours qu'il y pense. À la faveur de la pénombre, il ose demander à Robert de fabriquer un système avec poire actionnable du pied, les petites poires de pharmacie en caoutchouc. Enfin, s'il croit que c'est possible. Et quand il a fini de parler, le père ne relève pas la tête, écrasé de pudeur et d'admiration. Il veut être souple. Les cylindres, les poignées de porte en béquille, la douche et le séchage, le déshabillage exigent une agilité de danseuse. Avec Sylvia devant le miroir, une fois la boutique fermée, il étire ses muscles, les allonge patiemment. Elle pose le pied de son frère sur la commode, il penche le buste lentement. Seulement, ça l'épuise. Ça bouffe son temps et 2000 calories par jour, l'énorme effort imposé à son corps pour se passer d'aide extérieure. L'excitation s'érode. Il se dit « J'ai disparu ». Les ventouses, les aimants, les cylindres, les bricolages en cascade font rempart au dehors. Il est le souverain d'un réduit domestique, une prison de poche. Le monde est vierge de lui, il est vierge du monde. Ses victoires ne le conduisent nulle part, ni à personne. Une existence en seau de chat. Il se dit un faux saut, une illusion. Il te ramène toujours à la même place. D'où la piscine. Merci beaucoup, Valentine, pour cette lecture. Je pense qu'on peut vous remercier. Et on voit qu'on reboucle avec le mouvement. Oui, il y a de l'eau à vos pieds. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions, quelqu'un, quelqu'une? Profitez-en, nous avons encore un petit peu de temps avant de devoir rendre la salle. Sinon... Oui, monsieur, quelqu'un peut passer à un micro? Ou alors parler fort. Oui, je suis pas d'accord. Alors, c'est une question de densité. Vous savez, disons, à quelle densité il peut avoir des dégâts en matière de transport de son? Non, non, je ne sais pas. Ah bon? Ben, j'ai posé la question au niveau de la densité du son. La densité du son. Alors, la diversité du son, oui. La densité du son. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, c'est à quelle densité où c'est normal et puis à quelle densité où c'est toxique? Ah, vous parlez du volume, de l'amplitude sonore pour la rééducation, voilà. Savoir s'il y a des seuils de tolérance au-delà duquel ce serait un peu délétère? J'imagine que tout ça est bien paramétré. Oui, tout à fait. En fait, bon, c'est assez connu, hein, les volumes à partir desquels ça peut, l'intensité peut devenir délétère pour l'oreille bien avant même que oui, il y a des marges. Voilà, et bien avant que cela devienne douloureux. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut être particulièrement vigilant. Donc oui, bien sûr, on fixe des seuils d'intensité maximale, comme on peut avoir même dans des salles hein, de concerts qui ne sont d'ailleurs pas toujours respectées. Mais donc c'est tout à fait possible et même tout à fait possible de l'ajuster en fonction de la perception justement et des spécificités, on va dire, auditives de chaque sujet. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a une appréciation sensible qui dépend vraiment d'une personne à l'autre. Ce n'est pas une mesure objectivable, en fait. Oui, alors on a des moyens plus ou moins performants, mais c'est un point qui est très, très délicat, puisque on peut avoir en plus des phénomènes, dans le cas des lésions cérébrales acquises, d'hyperacousie, de troubles auditifs qui sont quelque part masqués par l'importance des autres troubles. Et donc, c'est souvent le parent pauvre. Hein. Les troubles auditifs sont peu testés. Or, ils peuvent être quand même particulièrement gênants. Oui, surtout qu'on parle beaucoup d'acouphènes en ce moment. C'est vraiment une sorte d'épidémie silencieuse. Il y a des troubles auditifs, surtout avec nos dispositifs invasifs. Et c'est important de prendre ça en compte. Est-ce que vous avez testé l'effet de la musique sur... Est-ce que quand on met une musique qu'on n'aime pas, oui, il a demandé latino, et si vous aviez mis classique, est-ce qu'on aurait eu la même efficacité? Alors, la question de la préférence, nous ne l'avons pas pour le moment évaluée à proprement parler, puisqu'on essayait justement plutôt de proposer un dispositif avec une pluralité de choix qui permettait à chaque individu de pouvoir avoir une certaine satisfaction. Et surtout, de pouvoir faire varier au cours de ces séances les retours, puisque l'une des grandes problématiques de l'auto-rééducation et de la rééducation au long cours est la répétition. Et donc petit à petit, et la perte de motivation. Donc le fait d'avoir un panel d'extraits accessibles peut permettre d'ajuster. Vous devriez vous faire sponsoriser par Spotify ou Deezer ou des choses comme ça. Donc, non, je suis sérieuse. Alors, en l'occurrence, là, on offre la possibilité au sujet d'apporter sa playlist, en fait. Donc, il a tout à fait la possibilité, s'il le souhaite, de la modifier au cours du temps. C'est génial pour la motivation, ça. Et notamment, vous parliez de motivation dans l'entraînement. Moi, pour l'instant, je veux pas que la personne soit coupée de ses sensations. Et parce que ça modifie, effectivement, les gens se mettent des playlists dans les oreilles. Pour l'instant, je leur demande de faire sans musique. Et j'aimerais justement trouver le moyen d'avoir une musique personnalisée, et pouvoir enseigner plutôt sur son état énergétique, que de se mettre de la musique a priori stimulante, etc. Bon, voilà. Mais bon, là, c'est pas pareil. On pourrait avoir un suivi, hein, donc il suffit de définir en fait les paramètres d'activité que l'on souhaite suivre et et proposer une sonification appropriée. Moi, j'utilise des images couleurs, mais ça marche bien avec le sonore. Hein. Oui, et au-delà de ça, en fait, la question qui est soulevée, c'est aussi la question attentionnelle. Et c'est pour ça que, de temps en temps, réaliser le mouvement aussi dans le silence pourrait être intéressant. Et ça a été une des grandes questions dans le cadre de la thèse, puisqu'on a quand même cette représentation de bouger en mouvement, bouger avec du son, a priori, sera bénéfique. Mais en réalité, est-ce que le fait d'avoir un retour sonore, dans certains cas, ne peut pas détourner à mauvais escient l'attention et donc faire perdre en efficacité pour notamment des sujets qui ont déjà des troubles attentionnels importants. L'intérêt de... Il y a un article qui est sorti dans Nature qui dit qu'effectivement la perception du temps est inféodée à la fréquence cardiaque. C'est-à-dire quand on fait un temps limite, c'est un sujet de recherche, le temps d'effort maximum à une intensité donnée, le temps limite est complètement, je dirais, influencé par l'augmentation, la rapidité aussi temporelle de ces fréquences respiratoires, parce qu'on a, en fait, on est à 3 Hz au niveau battement cardiaque, on a 1 Hz, quand on dépasse 1 Hz de fréquence respiratoire, là, c'est ça qu'on perçoit qu'on est essoufflé, en fait, et là, ça modifie la perception cérébrale, enfin, ce qui se passe aussi. Ça veut dire que le temps, la perception du temps... change avec le battement, les battements, avec quand on fait de l'exercice, le temps passe plus vite ça dépend d'un temps... Non, au contraire, plus d'intensité. Entre les gens ou... Non, pour une personne. Ouais, c'est un peu le domaine. C'est-à-dire que le temps est très relatif à un temps intérieur. C'est comme quand on vieillit, le temps est relatif. Un an, ça passe plus vite quand on a 60 ans que quand on a un an. Voilà. Et dans l'effort, il y a aussi cette modification de la perception. C'est pour ça que j'aimerais bien arriver à faire une musique, que les gens perçoivent leur musique sonore qui change à l'effort pour exacerber, exhauster le... C'est plutôt de l'anglais, ça. Amplifier, oui. Ouais, amplifier, merci. Cette modification temporelle, qui est en fait physiologique. C'est bien, je vois qu'il y a encore une fois une bonne émulation entre vous trois, et ça fait plaisir quand on sait qu'aujourd'hui les dispositifs sont de plus en plus invasifs. On n'a pas parlé des implants, des prothèses, des exosquelettes, tout ça qui sont très lourds, très invasifs pour les patients, alors qu'il y a d'autres approches innovantes. Je pense à l'approche myoélectrique qui vise à restaurer du mouvement avec les signaux des muscles. C'est l'intelligence artificielle qui appréhende les intentions du mouvement sans être bardée de diodes, l'optogénétique ou je ne sais quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame, là-bas. Il nous reste 10 minutes, je crois. Dans l'avenir d'autres manières pour faire sentir des personnes qui sont peut-être insensibilisées dans certaines parties du corps, mais de manière un peu plus indirecte, comme par exemple avec des sons ou avec une espèce d'imagination ou de manière comme ça, mais justement pour un peu donner cette idée de sensation, même si... En physique, c'est pas possible. Oui, j'imagine que c'est une question qui m'est adressée. Je ne suis pas certaine d'avoir bien tout compris. La question est, est-ce qu'il existe d'autres stratégies potentiellement pour venir en soutien à la rééducation, en passant par exemple par... d'autres sens que la vision ou le sonore, par exemple l'haptique, les ressentis Oui, plus que dans l'éducation, c'est plus pour stimuler des parties qui ne sont pas sensibles. Et voilà, mais peut-être avec une autre manière, comme les sons par exemple, ou une autre chose. Oui, alors vous avez parlé de travailler avec l'imaginaire et la représentation, notamment du mouvement. C'est quelque chose qui est beaucoup fait en séance de rééducation par les ergothérapeutes et les kinésithérapeutes, et effectivement essayer de mentaliser le mouvement, mais c'est assez lourd en réalité pour des patients qui peuvent avoir aussi des troubles cognitifs importants, aller avoir une représentation du mouvement sans avoir l'accès justement à un ressenti corporel au moment de la rééducation est assez complexe. Je ne sais pas si ça répond. Merci pour votre réponse, Iseline. Peut-être ce qu'elle veut dire, c'est qu'on peut associer un imaginaire à un son, ce que vous faites, en fait. Ah oui, comment rajouter une dimension de l'image. Tout à fait, d'accord. Donc oui, les retours sonores sont effectivement propices ensuite à ouvrir sur une autre dimension, effectivement, notamment l'imaginaire. Et nous avons travaillé avec un designer sonore dans cette perspective. Plutôt que d'utiliser des extraits forcément musicaux qui peuvent être associés à l'histoire de vie de l'individu, proposer des extraits sonores non musicaux qui sont entre guillemets plus ouverts, moins structurés, moins contraignants potentiellement, et qui convoquent une place à l'imaginaire. Si je peux me permettre, moi je ne suis pas scientifique du tout, mais par contre, c'est un des thèmes de Lille Haute qui est là, c'est justement comment on peut associer des sens de manière incongrue. En fait, ça existe dans l'être humain déjà, ça s'appelle la synesthésie. Moi je fais partie des gens qui voient des correspondances entre des formes et des sons, et donc ça existe, je veux dire, il y a déjà cette possibilité, en tout cas dans le cerveau d'un certain nombre de personnes, pour changer les sons en forme. C'est qu'on réduit l'anosmie en convoquant des images, c'est-à-dire la perte de l'odorat, en convoquant des images. Donc il y a des correspondances certainement qui peuvent être exploités de manière très concrète, sachant que le cerveau est déjà capable de le faire. C'est comme ça que Baudelaire et Rimbaud ont écrit, que Messiaen a composé, et Debussy. Voilà. Donc je suppose que ça peut être utilisé, oui. Oui. Messiaen, oui, tout à fait. Ah ouais. C'est mon compositeur favori. Ouais. Bah ouais. Quand tu regardes la fin du temps, Messiaen, vous allez trouver. Mais bon, c'est vrai de beaucoup d'artistes. Hein. Enfin. Oui, alors a priori, la synesthésie est une capacité qui existe chez les enfants, qui est perdue au cours du développement et qui est considérée à l'âge adulte comme un trouble. Ça, c'est cool. Eh bien, je suis troublée. Mais non, en fait, moi, je trouve que c'est une grande richesse aussi. Simplement, ça donne de l'épaisseur aussi aux sensations. C'est un moyen de dire que nous sommes tous porteurs de troubles. Très bien. Nous sommes tous pathologiquement atteints. Et c'est bien dommage, comme l'imaginaire qui se dissout en grandissant, et certaines facultés cognitives disparaissent sous la pression peut-être, ou en faveur d'autres outils qu'on nous apprend à l'école. Mais en tout cas, cette notion de correspondance entre les sons, on a parlé de la danse, le sport, peut-être que ça va accoucher de projets dans le sport. Est-ce que intégrer la dimension sonore pour... moi, je vais le faire. De toute façon, c'est une obsession que j'ai, donc je vais le faire. Hein. C'est-à-dire fournir à chacun son image sonore de niveau énergétique et l'avertir de ce qui se passe. Mais vous avez parlé aussi d'attention et de vigilance, de pas que ça devienne délétère et que ça décentre, ça défocalise. Ah oui, non, je ne remettrai pas de musique dans les oreilles, ce sera la leur. Non, mais leur propre mélodie. Exactement. Leur signature sonore à l'effort. Ça sonne bien. Est-ce qu'il y a une ultime question? C'est vendeur. Madame? Ouais, je suis très enthousiasmée par ce que vous avez montré, c'est vraiment très, très chouette. Je voulais savoir si ça reste du domaine de la recherche ou si vous l'avez déjà mis en Vous pouvez vous présenter, madame? Non. C'est pour... Qui je suis? Je m'appelle Clara Namias. Je suis directrice de recherche au CNRS. Je travaille sur le cancer du sein en biologie cellulaire. Rien à voir avec ce que vous faites. En fait, on fait notre marché, en fait. Moi, non. On fait des connexions, on fait des ponts. Ok, moi, il m'est arrivé un peu ce qui est arrivé à votre François, en fait, de subir un choc violent qui m'a fait reconsidérer complètement mes points d'appui, en fait. Voilà, donc je voulais savoir, est-ce que c'est quelque chose que vous avez sorti du labo ou pas? Alors, pour le moment, non. Et même les évaluations sont encore en cours, des évaluations auprès des thérapeutes pour définir l'utilisabilité en fait, du dispositif, au-delà de son efficacité à proprement parler, puisque c'est un des grands problèmes en fait, auxquels font face les rééducateurs, c'est qu'il existe de très nombreux, très beaux dispositifs qui peuvent, dans certains cas, être très coûteux d'ailleurs, mais ils peuvent être intéressants et bénéfiques, mais pour autant, leur utilisabilité est tellement réduites qu'ils ne les utilisent, donc en l'occurrence, jamais avec leurs patients. Donc là, l'objectif est justement de proposer donc, cette évaluation auprès des individus qui seront à même de porter ensuite ce dispositif dans un usage courant. Donc on est encore dans le cadre pour le moment du laboratoire. Bravo en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Bravo, et bravo Iseline Peyre, bravo Valentine Goby et bravo Véronique Billat. Merci d'être venue. Malheureusement, il va falloir clore cette discussion, mais je vous invite à rejoindre Valentine pour la dédicace qui a lieu dans la librairie au-dessus, c'est ça, et d'aller découvrir plus amplement les travaux d'Iseline et ceux de Véronique. Merci pour vos questions aussi, votre travail de journaliste pointu là. Enfin, vous avez travaillé quoi, vous avez bossé quoi. Le pire c'est le temps, c'est l'ennemi. Merci beaucoup d'être venu.